Allez, c'est bon. Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. On est au Supercross de Paris. On est là pour faire un stage avec Marvin Musquin organisé par Red Bull. Donc c'est une chance de dingue. Rouler sur la piste du SX, ce sera sûrement la première et la dernière fois que j'y serai. Donc je vais profiter à mort. Je vais vous faire vivre l'expérience que je vais vivre à travers la vidéo. Donc voilà, et je vous emmène avec moi. Tchou! Then you won't get spoken to. People only see you when you up, then they notice you. Trying to be a legend, Cray lines is quotable. Only the real shall last, and I only know a few. People when they feelings always acting emotional. Ain't about a check, then it ain't negotiable. Gotta show respect to the people that's posting you. Soon to be on posters, posted up like the older dudes. Now we aging like fine wine, how we supposed to do? Peep the shade on the timelines, this time post to cool. Shit is black and white like photos from a disposable. Certain situations you ain't end up uncontrollable. All up in their head, I be so confused. I just brush it off, peep the shoulder moves. We all got the same 24, so it's no excuse. Switch it up, we could rap or produce. The things you can't have is forbidden fruit. It seems like people love telling lies on me. T'en penses quoi, toi? Moi? Moi, je pense que Théo, il se met cabane sur le chien. Ah ouais? Et toi? Bah, à tout moment, moi, je suis n'importe où. Là, je suis dans la tribune, là, je suis dans le Piémont Tech 32. Je peux même finir accroché au rideau. Le grand écran en Z. Attends, j'ai un problème de caméra. Allez, profitez-en les gars. L'année prochaine, la Red Bull Sainte Sélection, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Pas d'être classe cette année. It seems like people love telling lies on me. They know that I'm the one they got their eyes on me. They know I'm here to stay and I won't. Je vais avoir des problèmes, Faut dire avec toi. Par contre, j'ai créé OnlyFun. Et t'as mis moi aussi, non? Oh, ouais, t'as vu le pilote américain qui est sponsorisé par OnlyFun? Ouais, du coup, j'ai créé un compte et tu me vois manger des burgers tout nus, des pizzas tout nus. J'ai un Tinder aussi parce que du coup, je suis en chasse. Le pneu qui a roulé aujourd'hui, les gars, bon, je vais rouler demain à Gali, il va être. Là, tu vois le film Taxi de Daniel, c'est un peu moi Daniel, mais je pense que si je prends la voiture de Daniel, je la mets comme ça. Comment? Sans le toit. Bon là du coup, on a déposé la moto avant 10h et on a du temps libre jusqu'à midi 45, on doit arriver là-bas à midi 45 habillé. Donc là on va aller se faire un peu les magasins tranquille. Puis après, on va être temps d'aller sur la piste pour rouler. Moins d'une heure avant le... Le money time. Quand tu parles, le money time. Non. Avant de le briefing. Et qu'on nous explique un peu tout. L'autofocus, il marche pas bien. L'autococu. Tu vois le sticker, ça. Je peux le scanner. Regarde, je te montre. Waouh. Ça biche. Let's go, direction le briefing. Il est midi 45, on est dans les temps, on est à l'heure. Habillé. Le 12, et je vais rouler dans la session 1 et 3, donc on va avoir un petit briefing entre les deux, etc. pour parler avec les athlètes. Yeah.
avoir des petites photos sympas. Il y a mon photographe Pref qui est là. Tu stresses, lui ? Vraiment. Trois groupes, donc, groupe théorique dans les cantines, et puis ensuite on va switcher le groupe théorique dans la rejoindre la piste, ce qui permet forcément de se mettre calme. Only got good vibes. Paradise.
peux enfin dire que j'ai roulé sur la piste du SX. J'espère que vous attendiez pas à ce que je fasse des trims pour apprendre les wheels, ceci, cela. Je suis déjà pas mal tendu du fait de rouler ici. Et puis j'étais pas forcément à l'aise non plus avec les suspensions qui sont du coup des suspensions MX. Donc c'est sûr que ça ne pouvait pas aller. Et puis c'est vraiment ici que je me suis rendu compte la différence avec l'injection et le carbone de la moto. Je pouvais pas. Enfin, j'avais pas le même ressenti au niveau des gaz. Mais bon, c'était pas l'objectif. J'ai vraiment kiffé ma journée. J'ai roulé sur la piste du SX et je remercie les personnes qui mettent en place ce genre de stage pour qu'on puisse rouler nous, les amateurs, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est hard. Et puis voilà, je suis vraiment content. Et puis je souhaite un bon rétablissement à mon petit pote Flo sous le casque qui s'est blessé, je pense. J'espère que c'est pas trop trop grave. Mais voilà, maintenant on va profiter du week-end, on va aller voir les boss rouler. Vraiment ce que je savais faire, juste pour prendre du plaisir, m'amuser, faire les doubles. Et mon genou est encore entier, même si j'ai une petite douleur au tendon, mais c'est rien, c'est minime. Je me suis amusé, j'ai kiffé, et c'était le principal, je venais pour ça. Et voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé la journée. J'ai essayé de vous faire vivre un maximum la journée d'un pilote amateur sur la piste VSX de Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on se redit à très vite pour une nouvelle vidéo. Content avec Victor, nous on n'a pas peur d'avoir la trouille, on fait du SX. Ça va mon sujet ? Ça va toi, j'ai pas vu qu'il filmait le truc.